Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro spécial de votre magazine ActuBuzz qui va revenir autour de l'actualité en République démocratique du Congo qui reste dominée par l'adresse du chef de l'État à la nation. C'était le dimanche 5 décembre dernier au Palais de la Nation. Le chef a révélé qu'il va nommer un informateur pour aller dénicher la nouvelle majorité parlementaire. On va aussi revenir sur tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec cette pétition initiée et déposée par les députés nationaux pour faire partir Jeannine Mabunda et l'ensemble de son bureau. On va aborder tout ce qui est lié aux violences qui ont eu lieu dans l'enceinte même du Palais du Peuple hier et tout ce qui se passe donc après l'installation du nouveau bureau composé des députés les plus âgés et des deux moins âgés. Qu'est-ce qui va donc se passer dans les jours qui viennent au sein de la coalition où on peut déjà observer la rupture? Mesdames et messieurs, j'y reçois sur ces plateaux Monsieur Jean-Michel Kalonji, il est cadre de l'UDPS. Il va donc décortiquer avec nous l'actualité au cours de cette émission. Monsieur Jean-Michel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alors, l'actualité reste dominée par la politique, comme je le disais à l'entame de cette émission. Revenons d'abord sur les discours du chef de l'État. C'était le dimanche 5 décembre. Ça a eu lieu au Palais de la Nation. Le chef a d'abord brossé succinctement tout ce qu'il a reçu comme cahier des charges, comme mémo auprès de tout le monde, auprès de ceux qui ont été consultés. Et à la fin, il nous a révélé qu'il va procéder à la nomination d'un informateur. Est-ce que c'est un réveil tardif pour le président de la République? Parce qu'on va se rappeler que lorsqu'il a accédé au pouvoir, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens l'avaient appelé, l'avaient demandé plutôt à procéder à la nomination d'un informateur, mais il ne l'avait pas fait. Mais pourquoi aujourd'hui? La réalité des élections nous ont mis face à une donne. Cette donne, c'était l'alternance politique avec un chef de l'État élu, mais avec une majorité parlementaire qui était de l'ancien régime, FCC. Donc, pour amener la paix dans le pays, le chef de l'État avait trouvé qu'il était judicieux de discuter avec le FCC via son autorité morale, l'ancien président Joseph Kabila, pour avoir une alliance que nous avons appelée la coalition. La coalition FCC-CACH s'est constatée par une majorité au sein de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi le chef de l'État, en voulant vite avancer et donner un gouvernement au pays, a accepté cette coalition et nous avons eu comme premier ministre le professeur Ilou Kamba. Mais dommage pour le Congo, il s'est fait que des habitudes de nos amis du FCC ont du mal à leur quitter. Ils n'ont pas compris que leur candidat, après 18 ans de gestion, et était sanctionné sévèrement pendant les élections. Emmanuel Chadari, qui pour l'instant est le secrétaire permanent du PPRD, a échoué lamentablement aux élections. C'était le troisième, après deux candidats de l'opposition. Félix Tshisekedi, Martin Fayulu et Emmanuel Chadari étaient troisième. Donc aujourd'hui, ces personnes devraient comprendre que la main tendue du chef au sein de la coalition était pour eux une chance de se redonner une nouvelle vie, de laver leur linge et se donner une propriété consommable à la population. Mais malheureusement, le chef a constaté avec toute la population que le FCC reste dans ses anciennes habitudes. La corruption, malversation financière et empêcher le développement du pays. Parce que c'est ça le nœud du problème. Tout ce qui est fait pour améliorer la gestion du pays, le FCC bloque. Les sociétés qui génèrent le plus la Gécamine. Dès que le chef de l'État a nommé, a signé des ordonnances nommant au sein de la Gécamine, le ministre du portefeuille FCC a bloqué ces ordonnances. SNCC, la même chose. Aujourd'hui, je prends l'exemple d'une province comme le Kassai. Le Kassai est tué
justement par la SNCC. Tous les commerçants au Kassai, ils vivent du chemin de fer. Ils importent au Katanga qui amène jusqu'à Mweneditu. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de train. Parce que cette compagnie est mise à sec par le PPRD. Aujourd'hui, vous savez que le barrage de, qui devait être construit dans le Kassai occidental, le barrage de KTD, on ne sait pas évoluer parce qu'il n'y a pas un moyen de transport pour acheminer le matériel qui se trouve dans le Katanga jusqu'au Kassai. Est-ce que nous allons continuer comme ça? Des grands projets comme ceux-là, aujourd'hui le matériel commandé, payé avec l'argent du contribuable, bien que pour le projet KTD, nous avons eu un financement des Indiens, ce matériel s'est abîmé sous la pluie dans la province du Katanga. Donc, au regard de tout cela, le chef de l'État a demandé aux amis du FCC, nous devons nous arrêter, discuter et améliorer notre vision sur la gestion du pays. Mais ils n'ont pas compris. Nous avons vu une grande crise dans ce pays. Comment est-ce que le président de la République signe par ordonnance, nomme des juges à la Cour constitutionnelle? Et le FCC dit non, nous ne sommes pas d'accord, nous n'avons pas été consultés. Donc aujourd'hui, le chef de l'État ne peut plus gérer ce pays. Il doit à tout moment consulter un civil. Justement, est-ce que ces réveils du chef de l'État n'est pas tardif? Parce que 2 ans se sont écoulés comme ça. Non. Où les Congolais ont continué à croupir dans la misère. 2 ans ne se sont pas écoulés à vide. Vous savez, l'UDPS vient de l'opposition. Plus d'une trentaine d'années. Le système Kabila était géré dans le fond. Constitué de toutes pièces par l'AFDEL et des régimes 1 plus 4 qui nous a amené tous les belligérants, RCD Goma, MLC, RCD KML. Donc, avant d'entrer dans des grandes manœuvres comme aujourd'hui, il fallait avoir le contrôle de tout l'appareil politique et étatique du pays. On ne pouvait pas entrer en guerre sans savoir comment se gérer l'armée, quels étaient tous les soubresauts dans la gestion interne de l'armée. Il a fallu d'abord attendre que le chef de l'État contrôle cet appareil, puisse faire une mise en place au sein de l'armée, au sein de la police, contrôler l'administration dans tous les recoins du pays. C'est en ce moment-là que tu peux maintenant mettre ta vision. Mais aussi, le chef de l'État a pensé que les partenaires auraient compris le message et seraient venus dans la coalition de bonne foi, en intégrant la vision du pays. Mais nous comprenons que d'abord, nos amis du FCC, c'est moi, c'est ma famille et le peuple ramassera les miettes. Ce n'est pas cette vision-là. Nous devons parler du développement du pays. Parler du développement du pays, c'est reconstruire ce pays. Parce que selon nous, ce pays n'a jamais été construit. Depuis la colonisation, on a juste inauguré l'hôpital du cinquantenaire qui a pris des millions de dollars et nous ne voyons pas les résultats. Nous n'avons jamais construit ce pays. J'ai suivi un cadre du FCC dans un média de la place dire par exemple que tout ce que Félix Tshisekedi fait aujourd'hui, c'est de l'hypocrisie. Il était au courant de tout ce qui s'est passé. C'est lui qui présidait les conseils des ministres. C'est lui qui était chaque fois en contact avec les membres du gouvernement. Il voyait tout ce qu'il y avait comme crise, tout ce qu'il y avait comme gestion, mais il ne disait mot. Seulement puisqu'il se rend compte que les années commencent à passer un peu vite, qu'il veut s'y ressaisir maintenant. Faux et archi-faux. Les ordonnances qui ont été bloquées, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui bloque, c'est le FCC. Nous avons pris plus de 8 mois pour négocier la sortie du gouvernement. Parce que le FCC ne voulait pas. Ils avaient des exigences outre mesure. Le ministre des Finances qui bloque les paiements des factures, ce n'est pas le président de la République. Le président de la République, imaginez-vous, en plein conseil de ministres, l'autorité
le président de la République instruit le premier ministre d'organiser la cérémonie de prestation des serments du juge. Le premier ministre prend acte au sein du conseil de ministres. Et 24 heures après, il ne fait rien et il dit que je me suis référé à mon autorité morale. Ce que veut dire... Et il n'est même pas sanctionné. Dans le subconscient de tout membre du gouvernement FCC, ils ont pour chef leur autorité morale et non pas le président de la République. Est-ce que cette crise-là, c'est le président de la République qui l'amène? Et ça, c'est chaque jour. Il y a des ministres qui sont convoqués, qui ont pris la peine devant le chef de l'État de lui dire « Monsieur le président de la République, pour cette question-là, je dois d'abord me référer à mon parti. » Donc, toi, tu y es nommé par ordonnance par le chef de l'État. Et pour des questions d'État, tu dois te référer à ton parti et à ton autorité morale. Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi le chef de l'État a essayé de discuter avec cette autorité morale, le président Joseph Kabila. Et il n'y est sorti rien de bon. C'est dans ce pays, je vous dis, où le chef de l'État reçoit le président du Sénat, Madame la présidente de l'Assemblée nationale. Et ce qui s'échange entre gestionnaires des institutions, le président de la République, qui est une institution, parce que le président, ce n'est pas Tshisekedi Félix. Mais la personne de Tshisekedi Félix se confond à la personne du président de la République, de l'institution président. Donc il reçoit les chefs de corps, parce que Mabunda n'est pas une institution, elle représente le Parlement, ainsi que Thabo Mwamba. Ils échangent. Directement au sorti de cette audience, Thabo Mwamba pointe devant la presse pour dire que nous venons de rappeler le président les règles constitutionnelles. Mais mon Dieu, où sommes-nous? Est-ce que ce n'était pas aussi une faiblesse pour Félix Tshisekedi d'aller chaque fois consulter Joseph Kabila, chaque fois d'encaisser des coups? On a vu Mabunda ici donner des leçons au président de la République, Thabo Mwamba l'a fait plusieurs fois. Est-ce que ce n'était pas aussi une faiblesse pour Félix Tshisekedi d'encaisser tout ça? La gestion d'un État est la production de l'intelligence et de la stratégie managériale. Je vous dis ici, nous venons remplacer un pouvoir qui a été en place depuis 1997 en ayant chassé et mis à terre l'administration du Zaïre. Donc tout ce que vous trouvez ici, c'était de la construction de l'AFDEL et du pouvoir après l'AFDEL. Donc en ce moment-là, pour ne pas amener une crise comme nous l'avons aujourd'hui, et parler vite du développement du pays. Le président Félix Tshisekedi s'est dit, nous sommes tous Congolais, au nom de la nation, au nom de la patrie, prenons le sursaut de parler développement et d'atténuer toutes les guerres. Je ne voudrais pas un pays tiraillé comme nous l'avons connu après 60. Les guerres doivent se terminer. Nous devons parler que de la reconstruction, de la construction de l'État. Mais cela sous des règles. L'État de droit. La lutte contre la corruption. Ça, c'est le maître mot du discours, de la pensée, de la gestion du président Félix Tshisekedi. Mais quand vous voyez qu'on revient avec les mêmes méthodes, chacun ne respecte pas, on pense que parce qu'on a la majorité, on pense qu'on doit donner des leçons. Imaginez-vous, président de l'Assemblée nationale que tu sois, répondre au président de la République dans les médias. On oublie les règles de collaboration institutionnelle. On a même vu les porte-parole du Premier ministre administrer aussi des leçons au président de la République. Mais le président n'avait dit un mot. Est-ce que ce n'était pas de la faiblesse pour Félix Tshisekedi? C'est pour cela que le chef de l'État a encaissé. Ou un manque même de personnalité? Pas du tout. Vous savez, les meilleurs stratèges,
vous font croire que c'est vous qui menez le bateau. Il vous étudie, il prend le temps. Et quand il frappe, aujourd'hui, tous ne s'y attendaient pas. Le chef de l'État a dit, je veux consulter le peuple. Il a consulté toutes les couches. Même le chef de la rue a dit, Mokonzi Bengana Bango. Les mamans maraîchères. Les mamans maraîchères, les musiciens, les comédiens. Et j'ai même vu un débat qui m'a fait mal. Que certains politiques pensent que le chef de l'État a péché par consulter les comédiens. Mais toute la campagne électorale de ces députés, de ces hommes politiques, est faite par ces mêmes comédiens. Des musiciens. Et par ces musiciens. Aujourd'hui, qui paye pour ces musiciens? Les musiciens vivent de leur art. Ici, au Congo, nous n'avons pas de salles de spectacle. Les musiciens vivent quand ils se produisent en Europe. Aujourd'hui, aucun musicien qui a fait la campagne de ces politiques qui les insultent aujourd'hui ne peut se produire à l'étranger. Quel est le manque à gagner de ces musiciens? Qui compense cela? Mais quand ces personnes sont considérées par le chef de l'État pour dire quelle est votre opinion sur ces pays, on les insulte par les mêmes personnes pour qui ils ont battu campagne. Où sommes-nous? L'ingratitude. L'ingratitude. C'est le maître mot de pensée de membres du FCC. Voilà aujourd'hui. Ils crachent sur la population pourtant, qui les a élus. Pourtant, les FCC pensent que c'est vous, Lucas, qui êtes ingrat. Mais en quoi faisant? En quoi faisant? Nous sommes allés. Ils vous ont aidé à accéder au pouvoir aujourd'hui. Non, vous avez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on parle. C'est ce qu'ils disent. On parle de l'accord. IDPS et FCC Cash. Mes chers amis, Félix Tshisekedi de Tshilombo n'a jamais été partant pour une discussion avec le FCC. Le FCC s'est retrouvé dos au mur. Chadari battu lamentablement. Chadari en pleine campagne, là où aujourd'hui ils veulent nous faire croire que c'est la base de Joseph Kabila, le Katanga. Chadar a salué les monuments à Lubumbashi. Il n'y a eu personne pour l'accueillir. En plein Katanga. Ils avaient perdu lamentablement. Ils ont commencé à négocier. Suivez le meeting de Martin Fayoulou et de Mouzitu à Saint-Thérèse. Par l'envoyé de Nations Unies, la secrétaire de la MONUSCO, Leila. C'est elle qui a mené les discussions entre Martin Fayoulou et le camp. Mais l'UDPS avait les résultats, avait la centrale électorale qui avait compilé avec l'appui des amis extérieurs, les Américains entre autres. Nous avions les résultats qui ont été brandis pour dire voici les résultats. Nos amis se sont retrouvés dos au mur. Mais entre-temps, nous avions la réalité qu'ils étaient en train de préparer un soulèvement populaire. N'oublions pas qu'il y a eu débarquement des militaires qui venaient des camps ici à la gare centrale. Elle était remplie de militaires. Donc, dans cette situation, pour calmer la population, ne pas avoir le sang, parce que l'UDPS n'a jamais voulu avoir le pouvoir sur le sang de Congolais. Nous avons préféré discuter avec le FCC pour garantir à Joseph Kabila que il ne sera jamais inquiété dans ce pays. Au nom de quelle loi? Au nom de la stabilité et de la paix. Il est ancien président, il est couvert par une loi. Est-ce que ça se passe comme ça partout ailleurs? Partout ailleurs. Lorsqu'il y a alternance, vous devez garantir la sécurité pour celui qui quitte ailleurs, le pouvoir. Partout ailleurs, la démocratie a déjà pris le dessus sur les hommes. Au Ghana,
un des anciens présidents est décédé pendant ce mois. Il vient de décéder. Il n'y a rien. Mais il est décédé pendant qu'ils sont en train d'aller aux élections. Vous n'entendrez rien au Ghana. Il y a plusieurs anciens présidents. Au Nigeria, de même. L'ancien président est devenu agriculteur. Il est là. Il est traité et garanti par les lois du pays. La Tanzanie, n'en parlons pas. C'est ça ce que nous voudrions instaurer au pays. Parce que le président Félix Tshisekedi, c'est que demain, il ne sera plus président. Donc, il voudrait aussi vivre en paix dans ces pays, ne pas être embêté. Et d'où il fallait blanchir Kabila, il fallait oublier tout ce qu'il avait, tout ce qui avait été commis sous son régime, tout ce qu'il y a eu comme crime économique, comme crime de sang, il fallait oublier tout ça. Nous avons préféré la paix et parler développement du pays. Le président Félix Tshisekedi l'a dit dans son discours. Je ne veux point fouiner dans le passé, mais je voudrais que tous nous parlons développement du Congo. Il a donné l'occasion à chacun d'investir, de ramener l'argent saisi à l'extérieur. Il n'y a que les membres du PPRD, du FCC, qui ont des comptes saisis aux États-Unis et partout ailleurs. Il les a dit, c'est votre pays. Investissez ici, vivez dans la paix. Nous sommes tous frères. Nous ne voulons plus d'exilés politiques. Le président Félix Tshisekedi a vécu en exil. Je ne peux pas vous dire. Nous sommes dans les années 80. Tshisekedi est relégué en Bujumaï. Tous les fondateurs de l'UDPS sont relégués en Bujumaï. Dont Kanana Isidore, mon oncle. Ils sont tous jetés, relégués dans leur village. Nous avons dit, nous n'allons pas vous offrir ce même sort. Kabila père a relégué le père du président Félix Tshisekedi à Mupompa dans son village, lui disant, va faire les champs, la politique n'est pas à toi. Mais en démocrate, parce que c'est ça, l'UDPS, Félix Tshisekedi est revenu, a dit, je vous laisse là. Mais comprenez une chose. Le pouvoir, le système politique vient de changer. Le pacte républicain, ces deux mandats, c'est terminé. Tu restes dans le pays comme tout le monde. Tu es sécurisé, tu es sénateur à vie. Allons-y. Mais quand vous ne voulez pas comprendre ce langage, vous voulez rester dans la gestion des entreprises publiques où chaque matin le DG est appelé. On a manifestation politique, on a besoin de 50 000, de 100 000. On joue dans les caisses des entreprises. Toutes les entreprises sont à l'agonie à cause de ce système. Et nous allons continuer cela. Et dire que le président Félix Tshisekedi ne respecte pas ses engagements. Non, il n'a qu'un seul engagement. C'est envers le peuple congolais qu'il a élu. Alors aujourd'hui que l'UDPS, disons les cash ou les FCC, vous êtes à couteau tiré, il y a des guerres politiciennes qui vous divisent. Ne craignez-vous pas qu'on puisse retourner à la situation d'après l'indépendance où Mobutu, plutôt Kasavubu Lumumba sont à couteau tiré et un certain Mobutu surgit pour s'emparer du pouvoir. Ou même de ce qui s'est passé avec Mobutu vers les années 97, Mobutu fragilisé par Étienne Tshisekedi ici en interne, et Mouzé surgit pour s'emparer du pouvoir. Ne craignez-vous pas qu'aujourd'hui, un certain Mobutu ou un certain Moïse Kabila puisse encore ressurgir pour s'emparer du pouvoir, avec tout ce qui se passe comme guéguerre, tout ce qui se passe comme conflit. Il n'y a pas de déguerre. Il y a le respect de la dynamique politique. Nous nous sommes rendus compte qu'avec le FCC, nous n'avons pas une même vision de la gestion du pays. Nous n'avons pas une même vision de la projection du développement de ces pays, qui est un grand Congo que nous devons placer dans sa réelle dimension. Quand nous nous sommes rendus compte, nous avons posé la question au peuple congolais. Le président a consulté, a entendu tout le monde. Après cela, la dynamique elle-même s'est mise en place, l'union sacrée. Aujourd'hui, le président installé pour le bureau
provisoire de l'Assemblée nationale, qui doit traiter des pétitions déposées. Il est du FCC. Les deux députés le moins âgés sont FCC, ne sont pas cash, ne sont pas UDPS. Alors comment voulez-vous nous dire que nous sommes dans une crise? C'est eux qui pensent que nous sommes dans une crise. Nous, nous sommes dans le respect de la loi. Et cette constitution, ces règlements intérieurs que nous sommes en train d'appliquer, a été élu par eux, voté par eux. C'est eux qui l'ont dirigé, qui l'ont rédigé, je vous l'ai dit. Ce n'est pas l'UDPS. Alors comment aujourd'hui l'application de ces règles qu'ils ont eux-mêmes rédigées et nous ont imposées devient une infraction, une violation de la Constitution? Non. Les règles veulent ceci. Il y a une pétition. La pétition exige un quart de l'Assemblée. Nous sommes allés on a dépassé même ça. À 248 pour certaines pétitions, pour une autre à 265. Elles ont été déposées. Du moment où ces pétitions sont déposées, le bureau tombe. C'est l'administration de l'Assemblée qui prend le dessus par son secrétaire général, qui constate qu'il y a des pétitions, qui les signifie à chaque membre du bureau, parce que c'est l'administration qui les a reçus. Dans les 72 heures, met en place le bureau provisoire, qui est composé du député le plus âgé et les deux plus jeunes. C'est eux qui vont traiter de pétitions, les recevoir, vérifier le nombre de signatures, si elles respectent les lois. C'est dire officiellement saisi, programmer l'audition de ses membres. Et après cela, envoyer les pétitions au vote. Si ce qui leur est reproché, s'ils se défendent et que l'Assemblée plénière vote contre la pétition, il reste président du bureau. Cela s'est passé avec une pétition contre le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Amou. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui une procédure que l'UDPS ou le CASH invente. Très bien, on va en parler. Alors, une autre question, parlons maintenant de la nomination de l'informateur. Ça va se passer comment? Il y a un gouvernement en place, les présidents décident de nommer un informateur. Est-ce que le président n'est pas sur la voie de violer la loi? Le président a annoncé qu'il va nommer un informateur. Annoncer, ce n'est pas nommer. Première des choses. Deuxièmement, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent au président. La première, c'est que le premier ministre Ilunga Ilukamba, qui doit se rappeler qu'il n'a pas été sur la liste des 10 premiers candidats FCC au poste de Premier ministre. Il est Premier ministre par la volonté du Président de la République. Quand le Président de la République te retire sa confiance, de facto, par dignité pour lui-même, professeur, avec la carrière qu'il a, il trouverait mieux de déposer sa démission que de recevoir les dictats de ceux qui ont été même ses étudiants hier. Non, son aide, il déposerait. Alors, deuxièmement, rapidement, parce qu'on touche à la fin déjà, des ministres cachent si tous déposent leur démission. Donc le gouvernement tombe. Il doit démissionner. Troisièmement, c'est la procédure parlementaire. Si une nouvelle majorité est placée à l'Assemblée nationale, un nouveau bureau, et qu'il y a une motion de défiance de censure contre le Premier ministre, il est convoqué à l'Assemblée, il est démis par l'Assemblée.
il tombe. Et le président nomme un informateur. Donc les possibilités sont multiples. Et l'UDPS va respecter la constitution, va respecter les lois de ce pays. Très bien. Parlant toujours de l'UDPS, on vous accuse aujourd'hui d'être versatile. Vous avez accusé, vous avez traité cette Assemblée nationale de tous les noms d'oiseaux. L'Assemblée nationale était composée des députés préfabriqués, des députés nommés. Vous n'avez jamais fait confiance à ces députés. Mais aujourd'hui, vous voulez composer la nouvelle majorité avec ces mêmes députés. On vous accuse aujourd'hui d'être une blanchisserie. Comment vous réagissez? Ça, c'est le langage du FCC et nous en rigolons. Pourquoi? Nous avons accepté les résultats des élections de 2018. Nous leur avons accordé cette majorité. Mais ce qu'ils payent aujourd'hui... Vous leur avez accordé la majorité ou c'était la population qui avait accordé non, la majorité? Non, nous avons accepté cette majorité. Elle était déjà là. Nous n'avons pas discuté de cette majorité. Nous avons consenti. Mmh. Nous sommes allés dans une coalition. Mais ce qu'ils oublient, ce qu'ils payent aujourd'hui, c'est la rédaction des lois de ce pays sur mesure. Mmh. Pour s'assurer d'une majorité, ils ont modifié la loi électorale en amenant le seuil, le quotient. Donc, certains candidats députés qui se voient être majoritaires, leaders dans une circonscription, mais il s'est dit que son parti risque de ne pas avoir le seuil, le quotient. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Je vais m'inscrire dans un regroupement qui va atteindre ces seuils pour que mes voix ne tombent pas. Donc, il y a eu plusieurs candidats députés qui n'étaient pas en religion avec le PPRD ni le FCC. Mais pour se garantir d'être députés, sont allés dans le FCC, dans des regroupements FCC. Mais ces gens ne sont jamais en religion avec le FCC. Donc aujourd'hui, quand le président leur donne l'occasion de dire la nation avant toute chose, ces personnes viennent volontairement parce qu'ils se retrouvent dans une famille politique qu'ils ne connaissent pas. Je peux te dire que nous connaissons beaucoup de candidats qui ont été sur les listes électorales de l'UDPS en 2011, qui sont aujourd'hui députés sur les listes FCC. C'était juste pour se garantir qu'ils pourront être élus de ce côté-là, parce que quand ils ont été UDPS en 2011, on les a volé leur élection. Très bien, on va chuter par ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Tout ce qu'on a vu hier, des scènes de violence, des jeunes qui se battaient dans l'enceinte même du Palais du Peuple. On accuse l'UDPS d'être derrière tout ce qui se passe. Jean-Marc Aboun, qui n'est pas auteur de la pétition, mais qui prend les devants de la scène, il serait animé, selon certaines langues, d'un esprit revanchard. Puisque Mabunda était derrière sa destitution au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, il veut aussi prendre sa revanche. Comment vous réagissez? On accuse beaucoup l'UDPS. Ça, c'est diminuer le président et le coordonnateur du CASH, Jean-Marc Aboun, à des petites choses. Jean-Marc Aboun, au-delà de son élévation, ça reste un UDPS dans l'âme. C'est un guerrier, ce n'est pas un combattant. Celui-là, c'est un guerrier. Il a tenu dans l'UDPS au sein du Tanganyika, qui était le bastion du PPRD avec tout ce qu'il y avait. Il a tenu ici. Jean-Marc Kaboun, au décès de Étienne Tshisekedi, il a été approché de toute manière par le PPRD qui voulait tuer l'UDPS en ayant pris Bruno Tshibala, pensé que Kaboun allait fléchir devant tout ce qui avait été mis. Mais il est resté ferme. Et ça, c'est un guerrier, c'est un gladiateur qu'il ne faudrait pas réduire à ce niveau. Mais au-delà des injustices, l'âme du guerrier se réveille en lui. Nous sommes arrivés hier à l'Assemblée nationale. On a interdit à tous les combattants UDPS, à tous les membres de l'UDPS, d'entrer dans l'hémicycle. Mais quand Jean-Marc Aboun arrive, ils voient que la salle de la plénière est fermée.
ils veulent monter vers le bureau. Mmh. On voit sortir du dessus des jeunes gens avec des machettes pour chasser des députés dans en plein hémicycle. On va dire que ça, c'est l'UDPS qui provoque. C'est, regardez les vidéos. Ces gens sortent du premier niveau. Quand est-ce qu'ils sont entrés? Quand est-ce qu'ils se sont retrouvés là? Et avec des armes blanches. Donc demain, quand le procureur général va se saisir du dossier, traquer tous ces gens, les arrêter, on va dire la République des juges, l'IDPS est en train de mettre en place une dictature. Non! Les prisons vont se remplir. Je me rappelle du discours de Joseph Kabila en 2006, sa prestation de serment. Il avait promis que les prisons vont se remplir. On n'a jamais vu un seul politicien dans les prisons. Mais aujourd'hui, les prisons vont se remplir. Parce que maintenant, l'agence de lutte contre la corruption mise en place par le chef de l'État, tous les procureurs, nous allons finir dans tous les dossiers. Le dossier Bukangalonzo, je vous dis, ils vont aller en prison. Le dossier RVA, Gopas, nous allons les envoyer en prison. Nous allons construire des très beaux bâtiments pour les prisons. Parce que nous savons que nous aurons plusieurs personnes à envoyer dans les prisons. Ils auraient dû commencer par là. C'est construire déjà des bâtiments pour les prisons. Pour que quand ils aillent en prison, qu'ils ne tombent pas tous malades comme c'est le cas. Dès qu'ils entrent en prison, nous connaissons leur bilan de santé qui devient très macabre. Je reviens sur la question. Comment expliquez-vous aujourd'hui l'attitude de Jean-Marc Aboum? Ce n'est pas lui l'auteur de la pétition, mais il est le coordonnateur du cash. C'est le chef de file. Mais pourquoi il ne peut pas laisser les députés auteurs de la pétition les députés conduire sa démarche les députés auteurs de la pétition ont mené la démarche qui est seule de se battre pour avoir les signatures, de déposer leur pétition. Vous avez vu ce qui s'est passé. On a fermé l'Assemblée nationale un jour de travail. Aujourd'hui, le samedi, hier, j'étais moi-même présent. Hier, le secrétaire général de l'Assemblée est porté disparu, réclamé sur les réseaux sociaux. Il serait même suspendu par la ministre de la fonction publique. Oui, qui a déclaré qu'on aurait subtilisé sa signature. Mmh. Donc vous voyez dans quelles conditions. S'ils pensent qu'ils sont dans la vérité, mais Jeanine Maboum et tout son bureau, ils n'ont qu'à venir ouvrir les bureaux paisiblement. Nous avons accepté la pétition de Jean-Marc Aboum, elle avait été déposée. Nous sommes allés en justice. Nous avons été battus par... nous avons laissé faire, n'est-ce pas? Alors que Jean-Marc Aboum est le président du parti du chef de l'État. N'avons-nous pas laissé faire? Alors pourquoi aujourd'hui, elles ne peuvent pas laisser faire la loi, la procédure et la réglementation? Ce n'est pas sur les ondes de RFI que Jeanine Maboum doit parler. Elle doit venir à l'Assemblée nationale se défendre devant ses pairs, devant ceux qui lui ont voté. C'est ça le respect des uns et des autres. Ce n'est pas aller. Aujourd'hui, ils prennent la communauté internationale à témoin. Ce ne sont plus les impérialistes. Les choses ont sensiblement changé et ça nous réjouit. Alors, les informations à notre possession nous renseignent que Jeanine Mabunda et les quelques caciques du FCC auraient tenu une réunion hier pour renverser la tendance et voir dans quelle optique remporter les élections qui vont s'organiser dans les jours qui viennent au niveau de l'Assemblée nationale en rapport avec la pétition qui a été initiée pour faire tomber son bureau. Ça, c'est légitime et c'est de bonnes guerres. Le FCC, numériquement sur papier, nous présente plus de 338 députés. Ils vont le rappeler lors de leur dernière déclaration. Voilà. Donc, quand tu as la majorité parlementaire, pourquoi tu paniques? Parce que vous savez que vous allez battre de plein fouet. Donc, les discussions sont vaines. Les députés ne se constatent pas dans une villa en dessous des arbres que voilà nous avons. Non, c'est au sein de l'Assemblée. Hier, il a été constaté qu'il y avait 276 députés dans la salle. C'est l'administration du Parlement
qui le dit. Ce n'est pas l'UDPS, ce n'est pas le CACH. C'est l'administration du Parlement qui renseigne qu'il y a 276 députés. Donc, si eux veulent aussi renseigner leur majorité, qu'ils viennent au sein de l'Assemblée, au sein de la plénière. C'est à cet endroit qu'il faudrait présenter cette majorité, pas nous signer de communiquer en dessous des arbres. Très bien, on va terminer par cette question. Les palais du peuple hier étaient quadrillés par la police, mais à notre grande surprise, on a vu plutôt des gens qui se réclamaient comme étant des bérets rouges du PPRD surgir au niveau du palais du peuple, à l'intérieur même, pour s'attaquer aux députés avec des armes blanches. Alors, question, de qui les policiers qui assumaient les contrôles du palais du peuple ont-ils reçu l'ordre de laisser entrer ces jeunes, sachant que les ministères de l'Intérieur aujourd'hui est chapeauté par quelqu'un de l'UDPS? C'est pour cela que je vous ai dit, quand vous m'avez posé la question de dire est-ce que ce n'était pas une faiblesse du chef de l'État, je vous ai dit que l'appareil étatique a été conçu et piloté pendant 18 ans par le régime Kabila. C'est ce qui fait que dans cet appareil, nous avons beaucoup de traîtres, des personnes qui répondent à ce régime. Voilà pourquoi les barrières de sécurité sont très facilement filtrées et violées. C'est comme ça qu'on retrouve des brigands avec des armes blanches à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas de l'incompétence de la part du ministre de l'Intérieur? Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui vient faire la sécurité de l'Assemblée. Il lui donne des ordres. Mais comme vous avez si ces ordres ne sont pas respectés, c'est pour cela... Mais peut-il pas réagir? Il réagit en respectant la procédure. Nous sommes dans un État, nous sommes respectueux des règles. Très bien. La procédure, c'est des demandes d'explication, donner l'opportunité à ces personnes de venir répondre et analyser ces réponses et mettre l'auditorat militaire en place, c'est eux qui répondent. Ce n'est pas de chef aller, moi j'ai sanctionné, comme nous avons vu à l'époque le ministre de l'Intérieur, Ramazan Chadari, fermer des assemblées nationales, suspendre qui il veut. Non, ce n'est pas cet état que l'UDPS est en train d'instaurer, de mettre en place. Nous mettons l'état de droit et nous devons respecter l'état de droit. Et même si vous pensez que c'est la faiblesse. Non, nous ne sommes pas ici dans un état de guerre. Nous sommes dans un état de droit que nous voulons mettre en place et nous allons respecter la procédure. Mais les sanctions vont venir. Très bien, monsieur Jean-Michel Kalonji, l'émission est terminée. Alors, en quelques secondes, vous allez regarder la caméra qui est devant vous, votre dernier message au public. Et si possible, vous coordonnez à tous ceux qui voudront peut-être poursuivre les débats avec vous. Je voudrais dire à la population de faire confiance comme ils l'ont fait par leur vote. Au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a une vision pour ce pays, qui matérialise le combat de signataires, créateurs de l'UDPS, qui ont voulu briser le silence en instaurant un état de droit, une justice pour tous. C'est ça le combat de l'UDPS, qui est porté par son chef, le président Félix Tshisekedi, aujourd'hui chef de l'État. Faites confiance au chef de l'État. Ne suivez pas ce qui est dit dans les réseaux sociaux, ce qui est dit par les détracteurs, les pilleurs de ces pays. Nous avons une vision et nous allons amener le pays à bon port. Le pays doit se développer. Chaque Congolais doit vivre des dividendes, des recettes de ces pays. Pas seulement les enfants et les dignitaires de ces pays. C'est tout ce que nous avons connu pendant longtemps. Aujourd'hui, nous allons mettre fin à cela et mettre une politique distributive pour chaque population. Mes chers amis, croyez en l'UDPS et dans tout le réseau des regroupements qui accompagnent le CACH et qui vont accompagner aujourd'hui l'Union sacrée. Le chef de l'État vous appelle à croire dans l'Union sacrée qui va porter la vision et le développement de ces pays, voici notre bataille. Nous sommes tous dans cette vision et nous croyons que ce pays va reprendre sa place. Il faudrait que l'Afrique sache que le grand Congo vient de se réveiller.
Je vous remercie. Monsieur Jean-Michel Kalonji, merci de votre disponibilité. Merci à vous pour cette interview. L'émission est terminée, mesdames et messieurs. Merci de votre sympathique attention. Merci à Gaël qui était derrière les deux caméras pour vous proposer ces très belles images. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.